Une info mercato incroyable est parue dans les médias. L'Inter Miami voudrait toujours Ronaldo dans son effectif. Plus précisément, une réunion Messi-CR7 plairait bien à la MLS. C'est une information hyper importante venant d'Arabie Saoudite, d'un journaliste ayant déjà donné plusieurs informations fiables en ce qui concerne CR7 et Al Nassr. Donc même si ça paraît gros comme rumeur pour y croire à 100%, on va quand même étudier cette idée. Je vais être très clair dès le départ, c'est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons selon moi. C'est la MLS qui a besoin de Ronaldo, ce serait un pas en arrière pour CR7. Il faut l'avouer, pour lui, aller là-bas, c'est pas forcément une bonne idée. Après, l'Inter Miami a toujours essayé de draguer le GOAT, on se souvient de quelques posts sur les réseaux sociaux et des déclarations de Beckham pour encenser et attirer CR7, mais ça n'a pas fonctionné. Malheureusement pour lui et pour la MLS, l'histoire a fait qu'un projet plus intéressant, plus compétitif et plus attrayant soit né en même temps et c'est celui qui a eu la préférence du GOAT. Par contre, l'idée inverse me plairait bien et serait bien plus cohérente, Messi à la place de Talisca à Al Nassr, personnellement ça me hype, mais là encore, c'est assez improbable. D'abord, la présence de Suarez complique les choses. Du côté de l'Inter Miami, on a déjà un grand buteur. Je ne vois pas où est l'intérêt d'ajouter Ronaldo. A la limite, pour le remplacer, pourquoi pas, mais il vient d'arriver cette saison et ça se passe plutôt très bien pour Suarez, presque aussi bien que pour Messi. Ensuite, du point de vue de Ronaldo, quel est l'intérêt de quitter l'Arabie Saoudite pour la MLS? La Saudi Pro League a connu un boost immense qui l'a propulsé parmi les meilleures ligues du monde. Leur stratégie a été parfaite. Désormais, c'est un championnat qui ressemble au meilleur. On a 3-4 équipes de très haut niveau et d'autres équipes d'un niveau plus faible mais toujours acceptable. Par exemple, El Shabab qui se trouve dans le ventre mou du classement compte Carrasco et Rakitic dans son effectif pour ne citer que. A contrario, la MLS a stagné voire empiré avec le boost de l'Inter Miami uniquement. Un championnat avec une seule équipe largement au-dessus des autres perd grandement en intérêt. Le pire c'est que Ronaldo renforcerait encore plus cette équipe surarmée et la rendrait encore plus forte, mais à quoi bon gagner des championnats à l'avance? Ce serait bien plus intéressant plutôt que de rejoindre l'Inter Miami, de rejoindre un autre club de MLS et là ça va créer de la concurrence et donc de l'intérêt. Cette raison est principale dans le fait que personnellement ça ne me tente pas du tout, un trophée sans concurrence a forcément une saveur pas très satisfaisante. Ça s'apparente plus à du spectacle que du sportif, une compétition avec de telles dispositions. En plus, pour ajouter un argument en défaveur de cette idée, de notre point de vue de spectateur, les horaires des matchs sont très mauvais en MLS, on ne pourrait même pas regarder les matchs, donc c'est un autre point négatif non négligeable. Pour aller sur du positif, le seul et unique point qui me vient, c'est la réunion Ronaldo-Messi, on se régalerait sûrement. Ça fait rêver, on voit qu'ils ont quitté l'Europe malgré un niveau encore plus qu'acceptable. Donc c'est sûr qu'ensemble, ils choqueraient encore plus le monde, mais c'est insuffisant pour cautionner une telle idée. La base du foot est ce qui nous fait vibrer, c'est pas ce que fait la MLS, on ne veut pas des titres gagnés à l'avance. En tout cas, c'est une possibilité qui mérite discussion, donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.